Bonjour à tous, Litinois, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de Let's Play. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo de Let's Play, donc voilà. Ça change des astuces ou des news. Mais je vais quand même en donner. Donc pour information, je vais commencer par récupérer les petits seaux que je trouve un peu partout autour de ma place, en sachant qu'ils vont continuer à pop jusqu'au 31 octobre. Plus ça va aller, plus il devrait y en avoir. Donc pour le moment, j'en ai quoi? J'en ai 3-4 par jour à peu près. Les bonbons, je les stocke. Voilà. Pour information, le 31, si vous ramassez pas ceux qui restent, eh ben, ils resteront là où ils sont. Par contre, ils popperont plus, en fait, tout simplement. Voilà. Mais bon, on en a déjà de toute façon, et il y en a certains qu'on peut faire à la boutique de Picsou. On peut en racheter, on peut racheter les mêmes. Alors pas les trois couleurs, mais certains. On va commencer par aller chez Picsou, voir ce qu'il y a, et puis tout acheter. C'est ce que je fais un peu tous les jours. Je sais pas vous. Le muraille est trop beau. Allez, on l'achète. Alors, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose dans la boutique de Picsou. Vous voyez, là, il y a deux meubles, dont ça, qui est généralement plutôt sur la table d'à côté, mais c'est pas grave. D'habitude, il y a au moins trois meubles. Bon. Et je n'ai pas de vêtements en vitrine, je pense que j'ai acheté toutes les tenues qui existaient. Donc quand je parle de tenues complètes. Une robe ou un costume complet ou voilà. Allez, on achète ça. La petite lampe, je l'ai déjà, donc on va pas la prendre. Tu vois là, c'est vide. Et l'autre d'à côté, il est vide aussi. Le lit, il me dit rien, je vais pas le prendre. Ça, je l'ai déjà, et ça, je l'ai aussi. Vraiment un store pas très intéressant aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je te réserve d'autres choses. On va acheter les pulls. Nickel, ses amis. Bon, je trouve ça très beau, mais ça permettra d'en avoir des nouveaux demain. Une petite chemise, la belle et la bête, ça fait un peu cowboy. C'est sympa. Est-ce que tu as vu que j'avais des nouvelles cornes? J'ai retiré les cornes de Maléfice. Pour celles-là qui viennent de Monstres et compagnie, j'ai dû les bloquer dans le store de Picsou hier. J'avoue, le store de Picsou, je trouve qu'il y a des choses assez sympas. Alors, c'est assez inégal, que ce soit au niveau des prix. Il y a des trucs qui sont tout petits, qui sont horriblement chers. Il y a des trucs qui sont énormes, qui sont vendus pour quelques centaines de pièces. Et pareil dans les items. T'as des items qui sont ultra sympas quand tu vois le vitrail de la Belle et la Bête que je viens d'acheter, il est juste fou. Et à côté de ça, il y a des items qui sont franchement pas terribles. Quand on voit le lit gris là, bon, c'est pas top top. On va aller chez moi parce que j'ai cumulé pas mal de sacs de motifs, une trentaine je pense, et je vais les ouvrir. On va les ouvrir. Aujourd'hui, du coup, alors des sacs de motifs, il doit y avoir un ou deux sacs d'habits et un ou deux sacs de meubles. Donc, je les ai tous stockés, tu les as peut-être vus dans une vidéo. Voilà. Allez, on va en récupérer pas mal. Je crois qu'il y en a une trentaine en tout, alors je suis pas sûr de pouvoir tous les récupérer en même temps. Hop là, on va les récupérer jusqu'à ce que mon inventaire soit plein. Et puis après, on va se les ouvrir. J'espère avoir des trucs sympas, mais on verra bien. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu cumules ou si tu les ouvres au fur et à mesure. Alors, d'habitude, je les ouvrais plutôt au fur et à mesure, mais je sais pas pourquoi. J'ai eu l'idée, en fait, voilà, de les stocker. Ah, il est sympa, Monstre et compagnie. De les stocker et de les ouvrir. C'est bizarre, j'en ai ouvert un, mais je vois pas de trou. C'est pas grave. Bah oui, bah c'est celui que je viens d'ouvrir. Ok, un bug encore, c'est pas grave. Je ferai une vidéo sur des bugs, on est enregistré pas mal. Putain, mais c'est quoi ce truc là? Ok, bon, c'est pas grave. J'en ai enregistré pas mal. Ah, c'est qu'il y a les mêmes, non? Très chiant qu'il y ait les mêmes motifs. Bah,
pensais pas qu'on pouvait avoir des motifs les mêmes. Ah, les méchants, il est excellent celui-là. Je le connaissais pas. C'est un spécial Halloween, je pense. Une théière. Je vois pas pourquoi on pourrait avoir plusieurs motifs identiques. C'est bizarre. Bon, c'est pas très grave. Alors, est-ce que c'est le fait de les avoir cumulés? Je sais pas. Le château. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Monstre et compagnie encore. Bon, c'est pas grave, on les ouvre tous. Lumière de la Belle et la Bête. Celui-là, on en a trois. C'est chaud. Une petite planète. Un petit poisson. Excellent. Qui mange un sandwich. Alors, ça va être un nouvel habit. Gants sophistiqués, bijoux en argent, ok. Un petit meuble. Ok, un meuble de cuisine. On va ramasser les autres là. Hop là. J'ai fini toutes les quêtes de Scar. Bon, t'as dû le voir parce que j'ai sorti les vidéos là-dessus. J'attends la mise à jour des bugs, du moins qui devrait corriger les bugs la semaine prochaine. Courant de semaine prochaine. Honnêtement, je sais pas toi, mais moi je m'attends pas à un événement d'Halloween. Le 31, comme beaucoup, donc à voir. Mais comme la mise à jour va être après, je pense vraiment pas qu'on va avoir un événement le 31. Après, je peux me tromper. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'est peut-être une mauvaise idée en fait de les cumuler parce que tu te retrouves avec des sacs identiques, avec des motifs identiques. Et il me semblait qu'avant, on ne pouvait pas avoir. Là, la planète, je vais l'avoir trois fois, c'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. On est plus de 1300, c'est juste énorme, je suis trop content. Celui-là est sympa avec le petit extincteur. Ça rappelle bien Wally. Si tu as des questions, ça se passe en commentaire, j'essaye de répondre au maximum. Et puis, si t'aimes cette vidéo, lâche le petit pouce bleu. Encore le château. Allez, le meuble, et après il nous restera à une clôture. Ah, c'est cool. Est-ce que tu as vu qu'on d'ailleurs on pouvait faire les petites clôtures blanches classiques? Bon, celui-là on voit pas très bien, mais c'est pas grave. Les motifs, franchement, ils sont sympas, et je me dis que Disney peut vraiment faire de la pub en fait pour ses futurs films avec les motifs, ou même les fringues en mettant des fringues. À l'effigie du dessin animé, ça fait une pub dans le jeu en fait. Donc à suivre, est-ce qu'ils le feront, est-ce qu'ils le feront pas, ou est-ce qu'ils créeront des événements spécifiques liés à la sortie de certains dessins animés, ça pourrait être vraiment ultra bien. Oh, il est beau celui-là. Il est beau. Allez, le dernier. On en aura ouvert plus d'une trentaine. Ok, bon, on l'avait déjà. C'est pas grave. Allez. Qu'est-ce qu'on va aller faire? Je pense qu'on va aller faire comment ça s'appelle? Les petits défis là pour avoir les jetons des méchants. Pour le pass de combat, parce que voilà. Attrape des thons, offre des cadeaux favoris à Ursula, récolte des fèves de cacao. Il m'en manque 12. Attrape du poisson sur le plateau ensoleillé. Retire des épines nocturnes et extrait des minéraux sur le plateau ensoleillé. Donc, on va aller récupérer le chocolat, les fèves en chocolat. Et après, on va aller sur le plateau ensoleillé pour essayer de pêcher des poissons. J'ai vu qu'il y en avait pas mal déjà. Et puis extraire des minéraux. Alors extraire des minéraux, c'est un peu plus compliqué parce que quand tu vas dans la grotte, et ben ça marche pas. C'est pas comptabilisé, donc c'est dommage. En sachant que j'ai fait une vidéo où je te donne tous les défis du pass de combat. Donc ça te permet de t'organiser, de voir comment tu peux faire pour faire tous les défis. Si par exemple, tu vois, tu as des défis pêche, tu veux les faire tous ensemble, etc. Ça te permet d'en mettre certains de côté, d'avancer sur d'autres, parce qu'en plus, ils sont dans l'ordre. Alors là, normalement, j'ai récupéré les deux cacaotiers. On va aller sur le plateau ensoleillé et puis on va tâcher de faire
des défis. Le but, c'est pas que cette vidéo soit trop longue. Mais voilà. Le but, c'est de faire un petit let's play sympa. Si je peux donner des infos, ce sera avec plaisir. Voilà. En parlant d'infos, j'ai fait une vidéo concernant les fleurs dans la maison qu'on arrose et qui font pop des souvenirs. Malheureusement, c'est plus d'actualité depuis la mise à jour de Scar. Il n'y a plus ça. Alors, celui-là, on ne peut pas l'avoir, c'est pas grave. Ouais, ça, c'est plus possible. Alors, j'espère que tu en as profité. Parce que moi, sérieux, des souvenirs, j'en ai vraiment récupéré énormément. Et sinon, j'arrose jamais mes plantes. Donc c'était un bon moyen d'en arroser beaucoup en même temps et d'avoir beaucoup de souvenirs. Par contre, j'ai réussi à avoir un souvenir en entier et ça n'a pas généré de choses particulières. Pas de petites cinématiques, de petites animations, rien du tout. Donc écoute, pas très grave. Les quêtes du pass de combat sur le plateau ensoleillé, j'ai trouvé plutôt longues. Parce que là, il faut avoir en fait des diamants, des saphirs, des trucs comme ça. Et ça pop pas beaucoup, ça pop pas très vite. Donc voilà. Alors, on retire les épines. J'arrive pas aussi à avoir de souvenirs avec les épines, où j'en ai très très peu. Alors je sais pas si c'est le cas de tout le monde ou pas. Je trouve que de façon générale que des souvenirs on en a de moins en moins. Et de plus en plus de souvenirs nous génèrent en fait des pièces. Oui si, des pièces. Et pas de vrais souvenirs. Alors moi je creuse peu là les trucs qui sont au sol, bon là je vais le faire, mais je regarde peu là, ce qu'il y a dans ces trous là. Je trouve pas ça forcément, voilà, pas très grave. On va pêcher un peu, on va voir ce que ça donne. Depuis le début du jeu, il y a un espèce de reflet blanc dans le que tu vois dans ce mini lac, et ça m'intrigue parce que ça fait comme s'il y avait quelque chose dedans en fait, mais on sait pas quoi. Donc là il faut que je pêche pas mal de poissons, je crois que c'est 30 et je dois être à peut-être 9. C'est pas terrible. T'as dû le voir aussi, mes défis Dreamlight, je les valide pas en fait. Je vais pas chercher la Dreamlight. J'en ai déjà plus de 40 000. N'hésite pas à me dire ce que toi tu fais, si tu vas vraiment la chercher au fur et à mesure ou pas. J'avoue que moi, c'est pas le cas. Putain, là je l'ai foiré. Non. Faut que je cherche. Ah, je trouve un autre angle. Alors. Non, je vais pas y arriver. Hein. Bon, c'est pas grave. On va ailleurs. Bon, alors je pense pas que j'arriverai à pêcher les 30 aujourd'hui, ou du moins sur cette vidéo, parce que je suis pas sûr que ça t'intéresse beaucoup. Les poissons, franchement, moi je vais les chercher au bateau de Vaiana. Mais sinon, je m'en fous. J'en ai déjà pas mal, je sais pas si tu as vu, j'en mets dans mes coffres. Donc quand il y en a besoin, je vais en chercher. Quand il y a besoin d'en vendre pour des défis, je vais en chercher là-bas aussi, dans mes coffres. Mais sinon, je pêche assez peu. J'avoue, il n'y aurait pas assez de défis. Voilà. Alors, n'hésite pas à me dire si t'aimes ma tenue. Mes cornes et mes chaussures sont assorties. Elles viennent de Monstre et Compagnie et elles font penser à celui. Alors là, je pense qu'on va avoir le fameux dos du jeu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, est-ce que c'est revenu? Non, on va faire un petit point. Non, ça on s'en fout. On va regarder où on en est dans les défis. Donc, attraper des thons, non. Retirer des épines nocturnes, il m'en manque 3. Les minéraux, il m'en manque beaucoup. Les fèves de cacao, pas trop. Les poissons sur le plateau ensoleillé, 10. C'est pas terrible, terrible ça. C'est pas terrible, terrible. Alors, est-ce qu'on continue un peu? On essaie de monter à 12 là avec les deux petits ronds. Concernant les infos également,
Je vous invite vivement à aller voir la page Facebook, le groupe Disney Dreamlight Valley France. J'insiste, Disney Dreamlight Valley France et pas un autre. Franchement, ils sont top. Ils sont plutôt bienveillants, ils donnent pas mal d'infos et le groupe est plutôt sympa. Il y a d'autres groupes qui existent où malheureusement je trouve que c'est un peu plus compliqué, beaucoup plus dirigiste et où enfin, t'as une question si tu la poses mais que ça a déjà été répondu, tu te prends un bash. Enfin voilà, je trouve ça compliqué, c'est dommage parce que le but est. C'est la convivialité, le but pour moi de ces groupes. Donc voilà, Disney Dreamlight Valley France. Franchement, le groupe est vraiment top. Ils sont aujourd'hui un peu moins de 3000, mais c'est vraiment un groupe qui gagne à être connu. Donc je t'invite vraiment à y aller. Un petit saumon, ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points d'eau? Allez, on essaie celui-là. Mais celui-là, j'ai peur que ce soit trop loin. Oh non, on n'y arrivera pas. Allez, on laisse tomber. Je récupère une fleur ou deux pour nourrir les oiseaux. Je les ai vus se balader là-bas. Ça, c'est quoi? C'est les cerises. Ouais, c'est les cerises. N'hésite pas à me mettre en commentaire où toi, tu en es dans l'aventure. J'avoue, il me reste que... le défi de Mickey où justement faut améliorer, faut mettre 10 trucs sur le plateau ensoleillé. Honnêtement, j'ai la flemme. Et puis moi là, j'ai la quête d'Elsa qui me bloque. Donc que je ne peux pas faire à cause du hareng doré. Ok. Donc voilà. Mais sinon, ah bah si, il y a du cacao là. Ah bah on va réussir notre défi du coup. Du coup, ouais, c'est cool. Donc, on va récupérer 15 jetons. Et à la place, on a offre des cadeaux favoris à Mère Gothel. Ok. On va essayer d'extraire là un peu des minerais. Ouais, donc dis-moi si toi t'as fini toutes les quêtes ou pas. Donc là, la petite animation qu'on a là en noir et blanc, la semaine prochaine, elle sera plus là. Elle va être éliminée avec la mise à jour. Perso, non, ça me dérangeait pas trop. Je suis pas forcément fan, mais ça me dérange pas non plus. Beaucoup. Alors, on va prendre ça. Alors, quand j'ai plus d'énergie, je prends 5 citrons. Voilà, 5 citrons, ça me la remplit à fond. Et puis, je repars pour un tour. Alors, on va se faire ça là, et puis après, on va aller ailleurs. Parce que le plateau ensoleillé, c'est pas mal, mais il y a d'autres endroits qui sont sympas aussi. Puis on achètera peut-être des trucs avec nos jetons. Je sais pas si où t'en es dans le pass de combat. Moi, j'ai pas été super assidu. J'ai fait des missions, mais vraiment à la cool. En dilettante et du coup bah, je suis loin d'avoir tout débloqué. J'ai débloqué les motifs pour pouvoir avancer sur les pages suivantes parce que voilà, c'était que 10 jetons, mais sinon j'ai acheté 2-3 bricoles mais pas grand chose. Et là j'ai un peu de pièces donc je vais pouvoir acheter des trucs. Allez, où est-ce qu'on va aller? J'ai envie d'aller là. Non, j'ai envie d'aller là. Voir si on a des coffres ou des trucs comme ça. Parce que je pense pas avoir ouvert mes coffres aujourd'hui. J'en ai ouvert un là tout à l'heure, mais c'est tout. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez des lives, j'en ai jamais fait. Je pense que je peux en faire. Mais voilà, si ça intéresse pas, je vois pas l'intérêt. Alors comme tu le vois, les gros blocs de glace, ils sont toujours là. Tout
simplement parce que j'ai pas débloqué, je suis pas allé jusqu'au bout des quêtes de cette dame là à cause du hareng. Donc voilà. Donc oui, je te disais tout à l'heure, j'ai enregistré pas mal de bugs qui sont assez diverses, donc je pense que je ferai une vidéo sur les bugs. Alors les bugs visuels, pas les bugs j'arrive pas à faire telle mission, voilà. Les bugs visuels. Je vais récupérer. Alors je pense que c'est des multis, pour essayer de nourrir les espèces de castors ragondins là. Alors ils sont. Alors c'est pas forcément facile. Faut vraiment choper le coup de main. Et puis il faut les trouver aussi. Ça c'est moins évident. Ah, il est là-bas. Alors moi ce que j'adore, ouais, c'est leur courir après. Si tu bouges un peu trop, ils se barrent. Voilà, comme ça. Donc là tu lui cours après. Mais. Allez. On va peut-être y arriver. Alors, hop là. Il aime bien jouer 1, 2, 3 soleil celui-là. Allez. Donc quand il s'assoit, c'est que c'est bon. Et on va lui donner une myrtille. Qu'est-ce qu'il va nous donner lui? Hop là, un petit ok. Donc là, oh merde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se bouffer un poisson. Allez. On va récupérer ça et on va se l'ouvrir. Hein, en espérant que ce soit pas un motif qu'on ait déjà. Une rose, ok. C'est pas fou. Mais... C'est toujours ça. Alors, est-ce que on l'a rajouté collection? Non. En bestioles, j'en ai que 23. Voilà, j'en ai pas beaucoup. Les crocodiles, j'en ai pas. Les oiseaux, il m'en manque un. Les écureuils, il m'en manque deux. Les lièvres, il me manque le plus beau. Les corbeaux, j'en ai pas. Les tortues de mer, il m'en manque deux. Les renards, il me manque le rouge. Ah, et les ratons laveurs, je les ai tous. Donc voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on va aller voir en haut, là, s'il y a des trucs à faire. J'aime bien courir après les espèces de renards. Les renards, je les trouve trop beaux. Mais là, je ne sais pas où ils sont. Ils sont peut-être planqués. C'est pas très grave. Est-ce que tu as remarqué quand même le décor qui est derrière, où en fait on voit une espèce de montagne avec des chemins et des arbres? Alors je ne sais pas, tu les vois en haut là, les arbres juste au-dessus de moi là, tu as deux arbres, donc clairement c'est sur des chemins. Je ne sais pas si un jour ce sera ouvert, mais quand on regarde sur la carte, on voit quand même qu'il y a vachement de choses derrière. J'ai presque envie de dire qu'on a... Non, je pense pas que ça se soit agrandi. Mais ce truc-là, là, je sais pas si ça devait y être avant. Et là, au niveau de l'espèce de donuts, moi, je pense qu'à un moment donné, ça va s'ouvrir. Parce que là, tu vois... Alors, juste à gauche du rond, c'est très droit, en fait. Et je me dis que ça peut ouvrir sur un autre biome, en fait. Donc voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo de Let's Play. On va courir après le renard bleu. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on voit souvent des renards bleus. Et puis on va lui filer son petit saumon, puis après on va s'arrêter. J'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher le pouce bleu, si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Des Let's Play, j'en ferai sûrement d'autres, mais je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient plus intéressants avec des missions.
Là, j'avais quand même réservé les petits sacs de motifs à ouvrir. Il y en avait quand même une trentaine. Le magasin de Picsou, bon, et puis des petites bricoles. Ça peut être sympa. Mais voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce type de vidéo. Et je te dis à très bientôt. Bye!